paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Nous remercions, bon Dieu, qui accorde-nous encore une fois privilège ça, pour nous capables, dans la présence-là, adorer-lui en esprit, en vérité, et nous saluer chaque monde et qui sortit de très loin, qui venait par bon ici, dans le programme 60 ça. Et nous disons, bon Dieu, merci de ce que lui continue à faire grâce. Et nous saluons aussi chaque monde qui a pu suivre le service à travers les réseaux sociaux. Sur Radio TV Lael, présence bon Dieu, Miguel. Wow. Radio TV Lael, ou femme. Épisode. Chapitre 19. Nous va considérer verset 3 et n'a terminé dans 11e verset. Exode chapitre 19 le verset 3 et n'a terminé dans verset 11. Exode chapitre 19 verset 3 à 11. Assemblée à prier pour nous capables de faire camper pour nous capables faire lecture ça. Est-ce que nous venons Exode hein? Exode dans le Nouveau Testament? C'était ça. Exode chapitre 19 verset 3 n'a privé dans verset 11. Moïse monta vers Dieu et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant, tu parleras ainsi à la maison de Jacob et tu diras aux enfants d'Israël, vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix, qu'est-ce qu'il dit? Hein? Et si vous gardez qui ça, la continue, il dit, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi qui ça, un royaume de sacrificateurs et qui ça, et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Moïse vient appeler les anciens du peuple. Et il mit devant eux toutes ces paroles que, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Verset 8. Le peuple tout entier répondit. Qui ça dit? Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Verset 9. Et l'Éternel dit à Moïse. Qui ça dit? Voici, je viendrai vers toi dans une épaisse nuée, afin que le peuple entende quand je te parlerai, et qu'il ait toujours confiance en toi. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Verset 10. Et l'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple. Qui ça dit? Sanctifie-les aujourd'hui et demain. Qu'ils lavent, qui ça? Le vêtement, qu'ils soient prêts pour le troisième jour. Car le troisième jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur le mont Sinaï. Acclamez la parole de Dieu, mon doigt chita. Dieu est tellement saint. Il voulait que tout le monde soit capable d'approcher pour être capable de sanctifier. Dieu est tellement saint, il veut que tous ceux qui veulent lui approcher soit aussi saint. Donc, la sainteté de Dieu lui exigeait l'homme pour le sanctifier lorsque il voulait approcher dans la présence de Dieu. Et par mon monde, Captain Demla, à Soya, qui t'a gagné un petit monde que le gagné, et puis pendant le petit monde, un petit monde a fait besoin sur lui, ou qu'on a besoin. Et puis pour nous apprendre, si nous avons à tout besoin de faire le soulier, et puis pour l'embrasser, si nous
à moins que moun sa ta gon ça à moins que ta gon problème mental mais l'homme puisque le fait avec la ressemblance de Dieu puisque Dieu son Dieu qui saint attendez bien oui puisque bon Dieu son Dieu qui saint bon Dieu mettait dans nous la propreté c'est ça qui fait que l'homme pas qu'à tolérer vivre dans n'importe bagaille. Donc, si ou même en tant que l'homme, si ou un petit qui fait besoin sous lui, ou pas qu'à embrasser, maintenant mettez bon Dieu dans place où, qui j'ai bon Dieu à quoi ou, maintenant lorsque le péché lui conduit la vie ou, même gens, yon papa, yon maman, les gars dont ils m'ont font besoin, qui savent faire l'église, li entre dans yon douche avec elle, pas vrai? Li baigne si moun nan, li change tout vieux rad qui était sous lit, li mette l'autre rad, li mette poudre en bas poil, etc. Juste pour le capable, non niveau, pour l'accepter si moun nan. Donc c'est même gens tout, bon Dieu lui-même, li pas prend nous, n'importe gens. Li pas accepter nous, n'importe gens. Ça va vle dire, attendez bien, ça va vle dire ou gan pile l'argent. Pour mettre dans tête que bon Dieu apprend à tout pile l'argent là. D'ailleurs la Bible nous dit dans le psaume 24 à l'Éternel qui ça la terre est ce qu'elle renferme le monde et ce qui l'habite Dieu pas un problème ça. D'ailleurs dans Agé bon Dieu va dire l'argent est à moi l'or est à moi dit l'Éternel. Donc tout le monde qui a approché de Dieu Dieu exige yo. J'ai noté ça dans ce maintenant la sainteté c'est pas un choix que lié. C'est là un choix qu'on fait pour dire bon Dieu, bon pour me casser vous bien, je choisis sainteté. Bye bye pour ça. La sanctification n'est pas un choix, mais son obligation. Ou après, bon Dieu dit dans la parole, vous serez saint car je suis saint. Soyez saint dans toute votre conduite. C'est sa Bible dit. Pas bon monde là tout, attendez oui. Qui fin font manger hier, et puis même chose, elle fin fait manger hier. Puisque c'est dur, il te fait hier, la fait dur aujourd'hui. Et puis, bon, dit bon, puisque c'est même manger à ma fête, je n'ai pas besoin de faire le travail. Ah, c'est même dur, hein? Ok, je vais quitter le consa, celle ma vie de l'eau, ma vie de l'huile, pour mettre du rien, pour du rien, puis pas, c'est même pas, hein? Pas de pièce, monde qui là, qui a fait comme ça. Ou est-ce que nous intelligents? Nous prenons qui est, nous gratter aujourd'hui. Et qui de gratte qui quand redi pour le sortir ou forcer ou plutôt gratte chose avec rail pour le sortir parce qu'on dit son lot manger pour le faire en bien forme nettoyer c'est même gens tout temps ça me dit a gon dimension mon Dieu pour le passer avec vous les exige la sanctification ça veut dire la passer d'un côté à l'autre côté est-ce que l'église a là le bon Dieu exige la sanctification. Bon Dieu veut dire la sortie avec un haut niveau, la traverse avec un l'autre niveau. Comment dit t'a mourir mais bon Dieu passer avec un l'autre niveau à soi. Donc le bon Dieu exige la sanctification, c'est parce que les bon bagaille que il pral faire de grandiose. Donc bon l'autre dimension que un monde pral prend automatiquement bon Dieu mandé la sainteté. Mais bien aimé à travers la Bible, nous avons plusieurs exemples que des mondes qui choisissent approcher bon Dieu et ils ont choisi mener une vie qu'il a dans la sainteté. Nous avons quelques exemples avec vous rapidement. Premièrement, si nous avons Jacob, Jacob dans Genèse chapitre 35, vous avez regardé depuis le verset 1er, l'Éternel dit Jacob, montez à Bethel. Pour qui ça, bon Dieu, dit Jacob ça? Il dit Jacob, moi songe, les Esaou t'a couru derrière. L'autre est dans Maou. L'autre est fin volé bénédiction Esaou. Esaou t'a couru derrière. Et ou t'a couru pour lui, parce qu'on parle vrai pour lui te chouer. Et dans la nuit, quand Jacob t'a couru pour Esaou, il t'a pas fait, il songe. Jacob voit une échelle, attendez bien, oui, qui sortit depuis à terre, arrivé en l'air. Maintenant, Jacob ouais bon Dieu en la tête d'échelle là. Et puis il gardait des anges qui montaient descendre dans l'échelle là. Maintenant, automatiquement, Jacob réveillé. Jacob dit assurément, la porte des cieux est là. Et puis Jacob dressait un monument, il vide l'huile là-dedans.
Et puis, il dressait le pour mon Dieu qui t'a sauvé lorsque tu as couru pour Esaou, grand frère. Maintenant, après Jacob, hein, sorti Bethel, il allait la caille Laban. Et vous songez bien, Jacob t'a fait plus de 14 ans la caille Laban. Il travaille 7 ans pour Rachel. Dans le jour du mariage, là, au lieu de Rachel, qui est-ce que vous allez? Vous allez là. Donc, vous ne pouvez pas bien inquiéter, vous êtes là. Vous mettez mesdames, vous avez des gens qui peuvent mettre dame basso. Ou mettez mesdames, gon moun ki pi mesdames. Ouais mesdames, ou c'est tant de temps de mesdames. Gete moun c'est dans l'école mesdames là les mêmes. Li diplômé, li fait université là dedans, li fait maîtrise là, li fait doctorat. Donc Jacob pensait c'est celle qui t'a trompé moun. Et pourtant gon Laban qui dépassait Jacob dans brin. Li dit Jacob dans pays ici petit pas gain droit marier avant plus grand. Et puis qui s'est passé, Jacob fait 7 ans encore pour joindre Rachel. Maintenant, prêtez-moi attention. Après, lorsque Jacob a sorti la caille Laban, après, bon Dieu va le croiser avec lui. Il va le batailler à Jacob. Il va le casser ce petit Jacob. Et il va le changer ton Jacob en qui ça? En Israël. Israël qui veut dire lutter avec Dieu ou bien vainqueur. Donc, Jacob t'a lutté avec bon Dieu. Bon Dieu dit Jacob ou son vainqueur. Mais bien aimé, il y a des gens pour mon Dieu jaunir dans la totalité, il faut mon Dieu casser ce Dieu. Il y a des gens pour le river dans une dimension extraordinaire, il faut mon Dieu casser ce Dieu. Maintenant, l'homme dit casser ce Dieu, c'est pas ce Dieu physique là. Parce que ce Dieu, c'est un symbole d'équilibre. C'est lui qui a force sous marché. C'est lui qui a campé de jambes. Maintenant, Jacob, bon Dieu parle de Jacob. Les fin gourmé avec Jacob, les Jacob a réconcilié avec Esaou. Il dit Jacob montez à Bethel. Et si vous regardez texte ça avec moi, m'bagay tan lire avec vous, Genèse 35, le bon Dieu dit Jacob montez à Bethel, Jacob rassemblé, attendez bien oui. Jacob rassemblé toute famille. Jacob dit moi pral monter à Bethel. Bethel qui signifie la maison de qui est? La maison de Dieu. Maintenant Jacob dit puisque moi pour aller dans la maison de Dieu, la présence de Dieu est là à Bethel. Il dit que mon Dieu nous pas qu'à aller jamais nous là. Avec vieux rap que nous gagnons. Avec des dieux étrangers que famille te gagné, Jacob dit ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous et changez de vêtements. Genèse 35 verset 2. Jacob dit mon Dieu pour yon capable de retirer les dieux étrangers. Ou quand on va dire, Jacob serviteur bon Dieu, Madame Rachel, bon terrafim, en tant canal, pas qu'on est. Jacob a évoqué nos bon Dieu, dans Kaili, Madame Rachel, bon terrafim, terrafim non son dieu étranger, ou après terrafim non qui s'allie, son déesse. Yon dit déesse, ça c'est lui-même qui c'est déesse de la fécondité. Parce que pour qui Rachel te prend Teraphim, non, lui met dans la tête, c'est Dieu ça qui t'a pris le bas, lui petit. Et Rachel oublie yon bagay. Petit, c'est le bon Dieu qui travaille petit. Amen. C'est le bon Dieu qui travaille petit. Donc Rachel qui met Teraphim, non. Et là, ban t'a fouillé. Il dit Jacob, moi perdu yon bagay. Jacob dit, moun qui vole là, qu'elle périt. Jacob pas connu si c'est madame Rachel qui te vole. Qui je Rachel te vole, il fin vole, il met elle dans bosse dans bosse et chamois parce que son chamois te monté, ou connaît chamois, il gont dolgon en S et puis il fouille Teraphim dans mi-temps S là. Dans mi-temps bosse là. Jacob regarde, Jacob font serment. Jacob dit c'est pour monde qui vole, Dieu étranger, c'est pour le périr. Laban fouille, il n'y a pas de rien. Il fouille Kaibila, il fouille Kaizilpa, il fouille Kaileya. Quand il arrive sous Rachel, Rachel campe en les chamois, chita en les chamois, et puis il dit Jacob, dis Laban pour moi que moi j'ai croissance, moi, je ne peux pas descendre. Et Laban, pour le diable, il est depuis qu'il a croissance, bon, il va aller dans le malheureux pour le diable, il quitte malheureuse là. Sous Chamora, pourtant son mesdames qui a tracé son vieux bagaille. Et
pas loin plus devant dernièrement m'a appelé méditer sur Genèse m'a loin plus devant Rachel pas qui doit pas mourir ou après Léa fait environ 6 petites Léa pour contre lui fait environ 6 petites Rachel cependant qui c'est la femme aimée de Jacob combien petites lui fait 2 seulement Et regardez bien, l'elfine fait premier petit qui c'est Joseph. Ou après, automatiquement, lui fait Benjamin. Automatiquement, Benjamin sorti. Et puis, Rachel garde petit là, et puis il mourit. Gombagay, on serviteur de Dieu déclaré, l'a privé quand même. Jacob te getan maudit mon nom. Donc, malédiction tombée sur Rachel. Et Rachel te doit mourir. Parce que malédiction te getan prononcé. La radio TV la Yel. Mais bien aimé, Dieu dit Jacob, montez à Bethel. Et Jacob rassemblait sa famille. Il dit yo comme ça, retirez tout Dieu étranger qui nous met en nous. Et tout monde, tout vieux dans nous gagne la canon. Et Jacob te dit, Jacob prend tout ça, il fouille yon tout et puis il enterre ça. Et à soya pour me contextualiser le message là. Maman de combien Jacob qui l'a assoya qui t'a de faire un travail d'inspection la kayo. Ma parle avec père de famille yo. Gede radoue petite fille habillé devant. Qui compte le praler, lui praler à Bethel dans la maison de Dieu, l'église de Dieu. C'est devant lui habillé. Devant lui mettre jupe là. Devant lui mettre comme ça là. Ou quitter là quand même. Donc Jacob lui fait moun yo retirer tout bagay qui pas bon et puis l'enterrer ça et puis texte ça dit moun yo retirer en mot yo retirer ceci yo retirer cela et puis on ba Jacob lui pour yo monter à Bethel. Chers amis, Dieu mandé yon préparation lorsque nous parlons dans la présence de Dieu. La préparation est très importante lorsque nous parlons entrer dans la présence de Dieu. Si nous avons un deuxième exemple avec vous, nous prenons exemple hein, Joseph. Joseph est en prison. Ou après, le texte a dit, automatiquement, ou a fait un songe, il n'a pas expliqué son songe. Et puis, il y a un monde qui dit, ou a, il y a un monde qui est en prison, qui a interprété son songe pour vous. Et puis, qui ça a fait? Ou a fait, ou a fait le Joseph pour lui. Regardez la Bible bien. Ou après, lorsque Joseph a quitté la prison, il y a deux bagailles qui sont soulignées. La Bible a dit Joseph retire la prisonnière. Deuxièmement, la Bible a dit Joseph, vous connaissez les cheveux qui sont poussés, les cheveux lèvres. Joseph rase la Bible, rase les cheveux. Parce qu'elle parle devant qui est le roi. Qui est le roi? Pharaon. Et nous-mêmes, l'église, nous avons le roi. Il n'est pas seulement un roi, mais le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. Acclamez le roi des rois, assoyez. Donc l'église, l'important pour nous sanctifier. Dans le psaume 24, il dit qui pourra monter, qui va à la montagne de l'Éternel, qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint, c'est celui qui allait. Mais innocent est le. Donc la présence de Dieu est tellement saint, la sainteté de Dieu en action. Maintenant, tout le monde qui va approcher de Dieu, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel, qui est si arrivé, qui compte dans le lieu saint, et puis il dit, c'est celui qui a les mains innocentes. Et puis dans Timothée, Paul dit, je veux que les hommes, laisse que les hommes à prier, c'est pour lever des mains qui propres. Ancien Testament dit les mains pures. Nouveau Testament, Paul dit les garçons ont prié. L'église a prié. Les femmes ont prié. C'est pour lever les mains avec un main qui sanctifie. Après, il faut lever mon papa. Bon Dieu, pas les mains. Bon Dieu, c'est papa. Il ne faut pas les mains parce que les mains sont sales. Gen bagay ou manyen, gen bagay. Parce que la main, c'est symbole d'activité. La main, c'est symbole qui ça me dit? Activité. Ça veut dire, l'elle dit, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? C'est celui qui a les mains innocentes. L'ivre dit, tout ça va faire.
toute activité ou doit être propre. Est-ce que l'église a là? Donc, bon Dieu exigeait la préparation, la sanctification avant même qu'on rencontre bon Dieu. C'est ça que fait dans Amos chapitre 4 verset 12. La Bible dit prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Est-ce qu'on a dit avec mon qui va contre la dit ça pour moi dit prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Dis mon qui va contre la ça pour moi dit prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Dis on l'autre pour moi préparer pour Jésus. Prépare-toi pour enlèvement. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi. Amos 4, verset 12. Il dit, préparez-vous pour aller rencontrer bon Dieu. Et regardez dans Matthieu 25 qui s'arrivait. Ou après, il y a 10 vierges, 5 folles, 5 sages. Ou après, t'en es bien, oui. Ou après, il y a tous les 10, il y a l'huile dans la bio. Tous les 10. Maintenant, tous les 10 là, combien qui étaient prêts? C'est 5 seulement. 5 seulement. 5 seulement qui te gagne l'huile dans le plan. Maintenant, le plan est très significatif parce que le plan représente la vie chrétienne. Ou après, si je prends le créole haïtien, ou après, il y a plusieurs parties. Il y a une base, côté où on met des gaz, et pas vrai. Il y a une bobèche, côté où on met des mèches. Et puis, il y a un verre qui couvre du feu. C'est même gentil, la vie chrétienne, c'est une lampe qui a plumé. Qui ça me dit l'église? La vie chrétienne, c'est une lampe qui a plumé. Il y a trois parties ça dans la vie. Premièrement, réservoir, récipient qui met gaz là, c'est quoi nous? C'est quoi nous? Ou après, il y a l'huile dans le réservoir, c'est même gentil. La Bible a dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Donc l'huile là, lui représentait le Saint-Esprit. Maintenant, mèche là qui relie l'huile là avec bois mèche là. Maintenant, mèche là, c'est la prière. La prière, c'est lui-même. Tenez bien, oui. C'est lui-même qui râle en ce qui est en dedans pour le mettre dehors. Maintenant, mes bien-aimés, bois mèche là, c'est la consécration. Ou après, bon, mais chal, qui est là, non, le plan, il va jamais sortir. La consécration, c'est pas un jour, deux jours, mais toute la vie, me consacrer à Dieu. Maintenant, prêtez-moi attention. Ou après, vers là qui kembe, attendez, oui, vers là qui kembe, hein, qui entre dans bon, mais là, maintenant, il représente l'esprit. Pour qui ça le représente l'esprit? Parce que de temps en temps, les bon, la fumée qui paraît là-dedans, il faut nettoyer. Ça, c'est la sanctification. Est-ce que nous comprenons? Nous comprenons? Donc, la sanctification est très importante. Ou après que Folio avec Sagio, il y a tous les deux, il y a une lampe, il y a tous les dix, il y a l'huile dans la bio. Et puis, qui s'est passé? Pendant que l'époux a privé, et puis il y a des sentinelles qui font déclaration, qui disent voici l'époux, allez à sa rencontre. Mais bien aimé, avant Jésus retourner, il y a un groupe de sentinelles, la mettent dans chaque église, pour dire chaque église, alléluia, prépare-toi à la rencontre de l'époux. L'époux, il va arriver dans les airs, et me déclarer sous l'église, que bon Dieu choisit des sentinelles dans l'église. Les gens qui ont dormi dans l'assemblée, c'est pour qu'il y ait des prophètes qui ont levé en paix. Pour dire l'église, prépare-toi. Alléluia. Il faut qu'il y ait un sentinelle qui le fait camper. Parce qu'avant et pour arriver, il faut qu'il y ait un sentinelle qui fait route la boule. Est-ce qu'on a levé mon lait? Que bon Dieu fait grâce. Déclarer qu'on t'a madame, c'est pour un sentinelle. C'est pour l'huile là qui est en dedans, là, il pas jamais suspendre, fini. C'est pour chaque amen. C'est pour chaque jour la mule, si vous voulez. C'est pour couper la débordée. C'est pour recevoir. Alléluia. Il y a toujours l'huile là-dedans. Même si on a dormi l'huile là-là. Même si on a levé l'huile là-là. Même si on a marché l'huile là-là. Même si on a marché dans l'huile là-là. Voici l'époux. Allez à sa rencontre. Et puis, texte a dit, faut lui réveiller. Ça, je réveille. Prêtez-moi attention. Ou après, ni folle réveillée, ni sage réveillée.
Maintenant, ce n'est pas révélé qui est important, mais c'est ça qu'en dedans, révélé qui est important. Ce n'est pas révélé qui est important, mais c'est qui ça qu'en dedans, l'huile, en dedans, l'emploi qui est important. Ce n'est pas révélé qui est important, mais c'est l'huile qui est important. Et j'ai courage pour me dire ça. En vérité, pas de réveil sans le Saint-Esprit. Pas de réveil sans l'onction du Saint-Esprit. Si au monde veut prêcher le réveil, il faut le prêcher la puissance de l'onction. Il faut le prêcher qui sa onction qu'a fait. En vérité, je ne parle pas de réveil, mais je parle de la puissance du Saint-Esprit. Parce que depuis l'huile là, il y a un réveil. Depuis l'huile là, depuis l'onction là, on ne peut pas tirer le réveil. Et tout réveil qui fait sans Saint-Esprit, il n'est pas réveil. Mes frères et sœurs, nous allons regarder un texte avec moi dans Exode chapitre 19, texte sur le lien. Ou après que Moïse, prêtez-moi attention, oui, qui a mis le texte en sous yeux pour de m'en parler. Ou après Moïse, bon Dieu dit Moïse, dis peuple là pour moi, pour le sanctifier. Yo. Jodi avec demain, parce que dans trois jours, je vais rencontrer avec le peuple là sur le mont Sinaï. Et puis, qui ça peuple a fait? Peuple là, il rassemble tout ça, et puis il commence à sanctifier. Si vous continuez, ou après que vous dites, même garçon, pas toucher pièce femme, parce que vous dites, vous allez rencontrer mon Dieu, vous pas capable d'aller dans la sexualité, parce que vous allez rencontrer un bon Dieu qui est saint. Et puis, texte a dit, peuple a sanctifié. Prêtez-moi attention. Quand je suis abandonné, maltraité, découragé, humilié, même j'écoute si toujours. Regarde la haine. Vous n'avez pas le droit de toucher un pied, mon nom. Vous n'avez pas le droit de toucher point, mon nom. Malgré vous sanctifié. Parce que si vous avez touché mon nom, la mourir. Et mon Dieu va continuer toujours. Il va dire mon cabrit, mais mon cabrit depuis le toucher mon nom, c'est pour lapider. La présence de Dieu va y jouer. Mais l'église, vous m'avez comme temps remédié. Ça, l'église a bénéficié. Israël n'a pas bénéficié. Bon, m'expliquez ça, me dit. Israël, malgré qu'il était sanctifié, il va pas toucher la montagne de Dieu. Prêtez-moi attention. Ce n'est pas mon Sinaï qui était saint. C'est la présence de Dieu qui fait mon enceinte. Répétez phrase en me dire. Me dit c'est pas mon nom qui est saint, mais c'est présent bon Dieu qui fait mon nom. Par exemple, Exode 3, bon Dieu relève Moïse. Dieu dit Moïse, regardez, approche-toi d'ici. Et puis quand Moïse approchait, maintenant, il dit Moïse retire sandales qui n'ont pied là parce que terre ça au camper là-dedans, non, c'est un lieu qui saint. Maintenant, c'est pas mon nom Moïse là-dedans, non, qui saint. Mais c'est présent le bon Dieu qui sanctifie mon nom. Amen. Donc, vous imaginez, depuis que mon Dieu descend sur le monde, mon nom tout sanctifié. Et la vie plus que le monde. La vie plus que le monde. Les bon Dieu descend sur la vie, il exige la sainteté. Maintenant, Dieu dit Moïse, pas quitter le peuple à toucher mon nom. Mais nous-mêmes, l'église, nous avons un intercesseur par excellence. Nous avons un intermédiaire. Le peuple d'Israël, t'es Moïse comme intermédiaire entre Dieu et eux-mêmes. Mais nous-mêmes, l'église, nous différents. Parce que médiateur, nous, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Acclamez médiateur sans soi. C'est lui qui fait pont entre moi et ciel. Maintenant, Jésus dépasse Moïse. Parce que Moïse, lui, il fait son tête monde. Mais Jésus-Christ, lui traverse le tabernacle le plus parfait. Lui traverse le saint. Lui traverse le très saint. En vérité, Jésus-Christ est le meilleur souverain sacrificateur. Lui dépasse Moïse. En vérité, depuis que moi, j'ai servi c'est Moïse. En vérité, moi-même, c'est Saint-Esprit m'a servi. Lui dépasse tout ce qui est sous la terre. Acclamez Jésus-Christ qui met ton chita là, l'église. C'est lui fort. Chita là. Moïse arrive sous le monde. Jésus-Christ traverse le tabernacle. Acclamez le bon nom. Et vous pouvez ça dire encore. Bon, mais qui ça fait moi-même Jésus net? Jésus n'est pas un monde qui est égoïste. Ou est-ce qu'il est président? L'élan fait campagne ou elle?
Mon président t'a subi t'a fait campagne même dans bol aller qu'en l'idichita sous bon marché dans pour le craser avec pour le bruit chaka. Et puis quand le rivet dans parler l'oublier ti marchand ça qui t'est pas li bol aller que ça l'oublier l'elle t'a fait tout ce qu'on est pour l'élection, maintenant l'oublier ça. L'elle rivé sous trône, l'oublier ça. Mais Jésus-Christ, lui pas le président, lui pas le premier ministre, lui c'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et regardez qui ça dit l'église. Lui dit regardez que voit que cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Et puis il dit il y a plusieurs demeures dans la maison de qui est-ce? De mon père, lui dit l'aime fin préparer place là pour vous, ma tourne vin chercher, quand t'aimes chita sous ton nom, c'est là où à pied, acclamé bon Dieu pour ça l'église, mon dit qu'espérance ça, quand t'es Jésus, c'est là ma pied, quand t'es lié, quand t'es chita. Comment on dit qu'il y a place à préparer pour lui à soir? Lui dit quand t'es chita. Et quand je m'a parlé là, Jésus pas sous trône lui. Lui sous trône papa. Pour Jésus qui pas sous trône lui, c'est moi même avec vous qui pour monter dans le ciel et puis qui prendre ça l'étronisation. Quand m'a parlé là, Jésus pas sous trône personnel lui. C'est sous trône papa lié. Al garder l'Apocalypse. Il dit monde qui gourmet jusqu'à ce qu'il réussit m'a fait aussi ta sous trône moyen même j'ai moi même m'étais mort à Golgotha me ressuscité papa m'était me chita sous trône par là. Mais bien aimé Jésus-Christ dépassait Moïse et nous même l'église nous dépassait Israël. Israël pas de droit toucher un pied mort. Mais l'église, c'est pas un monde l'a touché seulement, l'a traversé le premier ciel, le deuxième ciel, le troisième ciel. L'église a clamé bon Dieu pour ça, ou que pour traverser le ciel, moi dépassé Israël. Israël, moi dépassé dans le nom de Jésus-Christ, moi que pour m'aller dans le ciel. Mes amis, quand on m'a parlé de ça, nous avons une jouette. Ils ont découvert la galaxie, la voie lactée. Les univers dans son ensemble. Pour le monde découvrir tout l'univers bon Dieu créé, il prend plus de 1 million d'années. S'il n'a qu'à vivre, parce que jour l'homme comptait. Notre nous là, c'est 60 ans, 70 ans. Et bien, il a tellement dégénéré qu'on a monde qui 40 ans, il a mouru. Monde qui 30 ans, il a mouru. Monde qui 20 ans, il a mouru. Ça veut dire pour parcourir la foi lactée. Ou ouais, pas plus de 1 million d'années. Pour qu'on tout élément, toute planète, tout système, pour qu'on tout net, ou ouais, pas plus de 1 million d'années. Mais quand tu es campé là, à la trompette de Dieu, dans le match, oui, et puis m'a transformé pour m'entrer dans la gloire. Que le monde qui comprend l'évangile, ça soit quand ton chita là, ou pas prendre un an, pas prendre deux ans, il y a un second temps, ou à quitter la terre pour entrer dans le tracé. C'est la différence ça qui gagne entre moi-même avec Israël. Mes frères et sœurs, nous avons plusieurs exemples avec vous. Dieu t'a demandé Jacob pour te sanctifier avant de monter Bethel. Dieu m'a demandé, hein? Dieu m'a demandé Joseph. Hein? Joseph après Joseph, avant de quitter la prison, il changeait la prison. Et puis il mettait, il fait cheveux, il fait babli pour aller présenter devant le roi Pharaon. Maintenant, ou après le peuple d'Israël, pour le joindre bon Dieu t'a demandé pour préparer, pour rencontrer bon Dieu. Nous-mêmes, toute l'église, bon Dieu demande nous une préparation. Bon Dieu demande chaque monde qui l'a, qui s'a dit, une préparation. Éphésiens 5, versets 25 à 27, pour nous capables de terminer. Éphésiens, tout le monde net appelé texte avec moi. Éphésiens, chapitre 5, un bel verset. Hein? Éphésiens, chapitre 5. Verset 25 à 27. Nous parlons ensemble. Éphésiens. Éphésiens, après le livre. Après Galates. Il y a un monde qui fait là. Oui. Éphésiens, chapitre 5, verset qui s'en dit. Hein? Verset 20, 25 à 27. Nous appuyons ensemble. 3, 4. Marie, que chacun aime sa femme. Comme Christ a qui ça? A aimé l'église
et s'est livré pour lui-même, pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par qui ça? Par l'eau de la parole. Verset 27. Pour faire paraître devant lui cette église, premièrement, qui ça dit? Glorieuse, deuxièmement, qui ça dit? Sans tache, troisièmement, ni ride, quatrièmement, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Prêtez-moi attention, je vais faire un travail dans le texte avec vous. Les maps m'hésitent sur le texte, je divise le texte en trois parties. Premièrement, je divise premièrement par la rédemption, deuxièmement par la préparation, troisièmement par la glorification. Donc, voici l'église à la. Verset 25, qui vient dans verset 27, je divise en trois parties. Premièrement, c'est la rédemption. Deuxièmement, c'est la préparation. Troisièmement, c'est la glorification. Regardez si l'église a la. Premièrement, c'est la rédemption. Répétez, rédemption. Deuxièmement, préparation. Troisièmement, glorification. En nous retournant encore. Premièrement, c'est rédemption. Deuxièmement, c'est préparation. Troisièmement, c'est. Il dit Marie, remet ma dame. Même Jean Jésus, t'es remet qui est. L'église, elle tellement aimait l'église, lui aller à Golgotha, lui offrir quoi à Golgotha. Ça c'est première phase là, c'est la rédemption. C'est la sanctification positionnelle. À la croix, Jésus-Christ sanctifie l'église là à travers tant de bien oui, chaque monde qui là qui recevra Jésus dans vie, yo sanctifié positionnel. C'est la rédemption. Ou après le fin dit Jésus mourit pour l'église là. Ou après dit en la sanctifiant par l'eau de la parole. Donc moi m'a parlé là Jésus dans deuxième phase là. Côté l'a sanctifié l'église avec la parole. Dans Jean 17 verset 17, nous devons ça déjà dans ce maintenant, Jésus-Christ dit sanctifie-les par ta vérité car ta parole est la vérité. Donc la parole de Dieu, c'est lui qui a capacité pour transformer l'église là, pour changer l'église là, pour faire l'église là arriver dans notre dimension côté lui-même après tant l'église là. Donc premièrement l'église pas oublier, c'est la rédemption. Deuxièmement c'est la préparation. Donc côté m'a parlé là, Jésus toujours dans préparation. Pas inquiète, chaque monde qui là ou son machine qui dans garage. Et chaque jour mon Dieu qui coûte marteau là-bas. Gen des formations l'achète gen te gen dans quitter dans vie ou à dans des faire dans vie ou maintenant pour Jésus accepter au dans ciel là et pas consoler à la prendre. Faut le coûte marteau, faut le ranger ou tout ça qui crochi, faut le ranger yo, c'est la préparation. Maintenant après la préparation c'est la glorification. Est-ce que l'église a un? Premièrement, c'est la rédemption. Après la rédemption, c'est la préparation. Après la préparation, c'est la glorification. Maintenant, qui est la glorification à priver? C'est avant Jésus-Christ retourner. Maintenant, automatiquement, trompette la prale sonner. Maintenant, on a quitté la phase préparation. On a privé la phase glorification. Et ça fait texte là, dit dans Jean. Les regardez, mes petits enfants, moi, écris nous ça. Parce que les gens, les Jésus qui va retourner, nous va même gens avec. Combien qui t'a remis même gens avec Jésus là? Donc c'est la glorification. Mais bien même on songe à travers la Bible, il y a deux jeunes filles qui attirent l'attention. Premièrement c'est Esther. Deuxièmement c'est Ruth. Et deux mesdames ça ont tellement attiré l'attention. Parce que pour qui ça me prend deux images, parce que tous les deux c'est symbole de l'église. Tous les deux c'est symbole de l'église. Maintenant, qui ça me dit voilà? Si je prends Esther, ou après Esther, yo te prend une liste jeune fille qui t'a pas passé devant le roi Assyrus. Pendant que tu prépares les jeunes filles, et puis il y a des gens qui préparent les jeunes filles, ils ont le savon, ils ont le parfum, ils ont l'huile, ils ont tout le bagage que les jeunes filles ont besoin pour passer sur eux. Et puis Esther l'a préparé, l'a mis le parfum sous lui, l'a passé l'huile sous lui. Mais Esther connaît les bagages. Il y a des bagages pas manicure qu'elle met dehors. C'est pas pédicure qu'elle met dehors. C'est anxieux qu'elle met dehors. Jeune fille m'a parlé avec vous. Golo, il fait, ou qu'elle fait manicure, pas un problème. Golo, il faut qu'elle fait
Mais quand l'on arrive, c'est où tu cherches soif de ta présence. Tu fais chef de ma foi, de ma faiblesse. Que ferai-je sans toi? Nous vivons dans la société, chargé ma solole, qui a fait vieille prière pour jeune fille tomber dans la sexualité ensemble avec vous. Et jeune fille l'église, les arrivés pour sanctifier, les arrivés pour consacrer jeune fille. Et me déparer sur chaque jeune fille qui l'a. C'est pour vivre même genre Esther. C'est pour embellir quoi, même genre Esther. C'est pour chercher anxiété surtout, même genre Esther. Vous comprenez ça? Toute jeune fille est habillée bien. Mais par contre, jeune fille qui a eu anxiété par Esther. C'est différent ça gain entre Esther avec jeune fille. Donc jeune fille lui volait. Gagne laisser pas sous ta coiffeuse bouillée pour changer couleur. Cheveux rouges, cheveux noirs, cheveux rouges, cheveux bleus, cheveux verts. Chaque gars doit mettre une couleur cheveux caramel. Pas un problème à ça. Mais en vérité, go les Satan à croiser avec vous. Ou mettez que cheveux 50 couleurs, la manger. Mettez vous que Jésus dans vie ou les pas font rien. Alléluia. Parce que ça, lui répand sur la vie. Écoutez, me campez là. Déclarez dans le nom de Jésus que le sang de Jésus, qu'elle tombe sur la vie des jeunes filles. Que bon Dieu prépare une génération d'Esther. Qu'a levé, qu'a préparé, qu'a étudié, qu'a regardé dans toutes dimensions. Que grâce à tomber sur la vie. Donc, bon, là, c'est pas ni faire belle. Et pas ni mes talons qui te fait bon, des gens intéressantes. Et bien, lui, comme méthode. Et ça fait en vérité, Satan n'a pas payé une jeune fille qui a fait tout ce qu'on est. Mais il paye une jeune fille qui sanctifie. Il paye une jeune fille qui consacre. Et en vérité, il y a des gars avec des hommes mystiques pour croire à son jeune fille qui est dans Jésus pour changer leur vie. Ça est impossible. Ça est impossible. Deuxièmement, jeune fille qui est intéressée, c'est Ruth. Ou après texte ça dit, lorsque Ruth va le rencontrer avec Boaz, Naomi dit Ruth deux bagages. Il dit Ruth, lave-toi et roue-toi. Qui ça Naomi dit Ruth? Lave-toi et roue-toi. Lave-toi, c'est la sanctification, c'est la pureté. Roue-toi, c'est l'onction. Donc, tenez bien, Boaz, c'est un type de Jésus-Christ. Ruth, c'est un symbole de l'église. Naomi, c'est un symbole de cet esprit. Cet esprit dit l'église à soi. Lave-toi et roue-toi. Répétez comme ça pour nous terminer. Lave-toi et roue-toi. Répétez encore. Lave-toi. Levez-moi en l'air. Et demandez mon Dieu de laver l'église là. Vous mettez levez-moi en l'air. Et demandez mon Dieu que mon Dieu lave l'église là. Et que mon Dieu vide onction sous la vie. Levez-moi en l'air. Alléluia. Et me déclarer amen. C'est pour chaque sentinelle qui l'exerce. Vous mettez comment se ranger corps. Parce que si elle a une onction, elle veut larguer sous vie ou petite. Regardez. C'est une génération, mon Dieu, à chercher. C'est une génération, jeune fille, jeune garçon, qui a fait l'évangile avec rage. C'est une génération, madame mariée. C'est une génération des vieillards. Que mon Dieu a cherché. Nous faisons ça pour laver, pour mettre onction sur eux. En vérité, jeune fille, les arrivés pour l'église, qui sera fait. Vous ne pouvez pas rester seulement chaque dimanche fini. Ça va suffire. Voyons regarder. Est-ce que, oh, alléluia! Est-ce que l'onction arrive sur vous? Est-ce qu'on va prophétiser? Est-ce qu'on va un message? Et en vérité, et me déclarer, c'est pour chaque monde qui est en bas terre, c'est pour ciel à retirer en bas terre. Vous mettez levé mon là. Ouf, my God. Me déclarer quel que soit l'or qui est en bas terre, c'est pour qu'on met à soi, qui prend un contrôle, qui pour retirer en bas terre, qui pour faire paraître à la surface. Ma parole avec le monde qui est là, les arrivés pour mon Dieu, mettons dans notre clé, pour le faire intéressant avec vous, et pas en bas terre pour être seulement, les arrivés, et me sentir qu'on tracteur comme dedans, qu'à enterrer, qu'à retirer, toute jeune fille, tout jeune garçon, dessiné, entre en bas terre, ma parole avec un Joseph là, si elle a vous présenté, devant les grands, alléluia! Ma parole avec mon Esther. Même si l'argent monte pas au niveau. Mon grâce. Mon dernier grâce. L'église soit prêt. Mettre les vêtements par la foi. Dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Que si elle a lavé l'église là. La sanctification. Lavée par le sang de l'agneau. Pour le monde qui besoin ça. Et est-ce que l'église a déclaré le sang de Jésus?
saura déclarer ça plus fort toujours, le sang de Jésus. Répétez, le sang de Jésus lave. Le sang de Jésus lave. Le sang de Jésus purifie. Et je mets en l'air. Et me déclare que l'onction du Saint-Esprit. Jésus, qu'elle arrive sur nous. Qu'elle au devant, qu'elle au derrière. Qu'elle à gauche, qu'elle à droite. Malgré que l'esprit des quatre vents que le saisit assemble ça. Alléluia. Malgré que Colombe commence par Zélie en dedans. Quelle rivière couble au côté. Quelle localisée au côté. Jeune fille, alléluia. C'est pour enseignement, ça y est. L'est arrivé. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Jeune fille, l'est arrivé. Si ce n'est pas rien, si ce n'est pas WhatsApp, Facebook, pas WhatsApp, les poulies, pas Jésus, les poulies. La consécration, la consécration pour rencontrer. Levez-moi. Alléluia. Bienvenue Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Bienvenue Esprit de Dieu. Bienvenue Esprit de gloire. Bienvenue Esprit de sainteté. Comme aïe aïe aïe. Quel Esprit de sainteté. Quel point quatre coins l'église là pour lui. Alléluia. Quel Esprit de Dieu. Quel mouvement dans l'église là. Quel secouer oblige. Entre l'église là. En vérité, ma blague avec sanctification, ma blague avec onction, que onction marche avec vous, que onction dorme avec vous, c'est pour l'enlever, c'est pour sentir onction. Alléluia. Déclare que l'huile a tombé sous la vie. Que toutes mes levées devant mon Dieu. Que toutes mes levées devant mon Dieu. Et si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Tu es bon jeune fille à chercher. Mon jeune garçon l'a cherché pour le vie de gloire. Pour le vie de gloire. On avait côtoyé. Alléluia. Quelle onction qui sous la vie, non. Quelle rivière s'amène. Quelle rivière traversée. Côtoyé là. Liberté pour moi qui besoin de liberté. L'onction de guérison. Pour moi qui besoin l'onction de guérison. Les arrivés pour imposer la main aux malades. Pour les malades guéris. De toi, l'argent qui dépensait. Aïe, aïe, aïe. Oh my God, boy! Hey, hey! Wow, my God! Hey! Que l'esprit de Dieu, que l'esprit de Dieu, que l'esprit de quatre vents, Alléluia! Senti guéri, mais qu'a touché la vie? Hey! Moi senti non mais ça. Que la vie la donne. Mais ça a que c'est don. Alléluia. Juste mon Dieu. L'église ne sont pas tombées. Oui, c'est pour la vie. Allez. Oui, senti que yon men. Aïe aïe aïe. Qu'a touché. Konya. Senti non mais ça. Que onction la donne. Mais ça, que c'est bon. Ministre de mon Dieu. C'est pour la vie. C'est pour la vie. Soleil. Moi, nous sommes sortis. Aïe, aïe, monsieur. La touche. C'est la vie, moi. Moi, senti. Non mais ça, moi du que onction, aïe aïe aïe, moi du mais ça, que c'est don, me dis c'est ton Dieu, c'est pour la vie, amen. Le fait même droit pour mon sens. Je me sentis qu'on lui qui descend là. Recevoir, jeune garçon. Recevoir, madame mariée. Les arrivés pour faire vous sont dehors. Les arrivés pour Satan respecter famille. Aïe, aïe, aïe. C'est pour vous là, oui. C'est pour vous là, oui. C'est pour vous là, jeune fille. C'est pour famille. Où est-ce qu'il y a souhait? C'est pour grâce de donner. Qu'elle sortit dehors.
que sorti dehors, que sorti dehors. Mon époux, bois ça, le verre, bois ça seulement. Bois ça seulement. Bois ça seulement. Bois ça seulement. Levez maintenant, bois ça seulement. Alléluia. Que l'esprit de Dieu. 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 Ouh, c'est le ça. Ouh, c'est le ça. Ouh, c'est le ça. Ouh, c'est bon ça. Ouh, c'est bon ça. Ouh, c'est bon ça. Levez-le, levez-le, levez-le. Que la pluie de Dieu. Qu'elle tombe dans mon sang. Qu'elle tombe dans mon sang. Qu'elle tombe dans mon sang. Derrière coup de vent. À gauche ou à droite. Derrière coup de vent. À gauche ou à droite. Ah. La foi est au toi. La foi est au toi. La foi est au toi. C'est pour la vie. Carré. My God, my God. Gardez mon cap touché, gardez mon cap guéri, gardez mon cap transformé, gardez mon cap transformé, gardez mon cap rempli, gardez mon cap débordé, gardez mon cap débordé, gardez mon cap débordé, par la foi, par l'esprit. Esther est arrivée pour sanctifier. Oh my God. Vous pouvez le présenter. Je le fil est arrivé pour sanctifier. Bon, mon silence le même. Tout le monde le même. Whatever qu'on t'aille le même. C'est pas moi qui a touché vous. C'est l'ancien de Dieu qui a touché vous. C'est pas moi qui a touché vous, madame. Jeune fille. Mon qui a perdu la bataille et l'abdomen. Si elle a dû asseoir, ça finit. Hey, si elle a dû asseoir, ça finit. Aïe aïe aïe, c'est la droite soya. Ça finit. Moun qui te perdu grâce. Début 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 2 mois, 3 mois. Que si elle a retourné ma roule encore. Que le veut mieux encore. Que le veut mieux encore. Que soit dans bon hier. Que soit dans bon hier. Que soit dans bon hier. Que l'esprit de Dieu. Que l'entrée dans chaque bon. Que l'entrée dans chaque bon. Que l'entrée dans chaque bon. Frappez-moi, frappez-moi. Frappez-moi, frappez-moi. Frappez-moi, qu'est-ce que les yeux? Hey! C'est pour la vie, c'est pour la vie. Soleil, moins quoi la vie. Alléluia, moi quoi la vie. Soleil, fais mes yeux, pour recevoir l'huile Paula. Fais mes yeux pour recevoir l'huile Paula, soya. Ou même qui va sentir l'huile Paula. Fais mes yeux dans celle-là. La vie qu'on restaurer ma soeur. La vie qu'on restaurer mon frère. Alléluia, dans la génération Paula. Alléluia, quand l'huile qui a coulé sur la vie, soya. Déclarer, moi quoi la vie. Alléluia. Carré. C'est pour la vie restaurée à soi. C'est pour la vie restaurée.